acheter quelqu'un, vous dites mèche. Quelqu'un ! Les voisins savent quand je m'énerve, j'ai pas le temps pour des guiri-guiri. On me respecte. Les vrais savent qui c'est qui est le plus frais de la maison pour ta mie. J'ouvre la maison pour les potos, les amis. Bon. Vous l'avez compris. La vie à Uruk était dure. Le peuple subissait le joug de Gilgamesh et de ses accès de fureur. D'essence divine. Sa force était sans limite. Bon, et toi, Shamash, hein, si tu veux nous aider, c'est le moment, vas-y, hein, tu peux y aller. Hey, 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 salut les copains, c'est Shamash, le dieu du soleil, ça va ou pas? Ouais, tranquille, tranquillou, vous êtes où? À la forêt des cèdres? Ouais, trop bien, j'adore cet endroit. Et vous faites quoi exactement? Quoi? Vous voulez du Rumaba? Trop bien, je l'aime pas ce type. Bon, ok, bougez pas, je vais regarder où est-ce qu'il est. Franchement, il est sympa, Shamash, hein, de nous filer un coup de main. J'avoue, des fois, il est relou, mais là, pour le coup, il fait vraiment plaisir. Et tu remarqueras, c'est toujours pratique d'avoir un pote dieu. Ça arrange les choses, quoi. Ouais, c'est bien. Tu vois, quoi? Tu vois la forêt, là-bas? Ouais. Et les arbres qui bougent, tu les vois aussi? Ouais. Gilgamesh arrive devant la porte de la mariée. Il met la main sur la poignée. Non, elle qui nous l'empêche. Gilgamesh retourne. Glissant. Ils vont couper des cèdres, couper des cèdres.